Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, ta broche, armée, sa bosse, ça coupe parpaing, crosse et de crasse. Salut les gars, c'est Bandito, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve avec la patate, le soleil, ça fait plaisir, de la bonne humeur et un fucking plus de 5 kills les gars à la Chicom. Vous avez été nombreux la dernière fois, mais quand je vous avais demandé quel gameplay vous voulez sur Black Ops, tout ça, m'avait dit tonton, mettez-nous. J'avais mis un autre gameplay et en deuxième position, il y a eu beaucoup de demandes sur ce fucking gameplay à la Chicom sur Overflow. Un sacré massacre, franchement. C'est une arme que je joue pas souvent. J'ai fait qu'à l'époque de Black Ops 2, j'ai pas joué souvent. Mais à l'époque, je m'étais lancé un défi de faire un plus de 5 kills avec cette arme. Et honnêtement, c'est une arme assez redoutable. Et c'est vrai qu'on rage facilement quand on se fait tuer face à une Chicom. Aujourd'hui, elle était équipée. Alors, elle avait quoi dessus? Je crois qu'elle avait double charge. Non, ouais, je sais plus ce qu'il y avait. Je me rappelle plus. C'est tellement vieux, les gars. Franchement, je me rappelle plus. Il y avait silencieux déjà sûr. Et je crois qu'il y avait double chargeur dessus, il me semble. Je sais plus en fait. Bref, voilà, super gameplay. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo forcément avec un gros sujet. Petite précision, parce qu'on m'a demandé tonton quel sera le sujet de ta prochaine vidéo sur le live de Twitch hier. Et je tenais vraiment à préciser en fait que le concept de confession de tonton, ça sera une série, c'est-à-dire une série, c'est un épisode qui ira de temps en temps, tu vois. Je garde les fondamentaux en fait de ma chaîne quand même, c'est du Call of Duty. On parle un petit peu de Call of Duty, mais là aujourd'hui on va pas parler, enfin aujourd'hui on va parler d'un truc spécial, on va parler du buzz, la vidéo qui va faire le buzz sur la chaîne de Tonton et sur la chaîne de Kepo officiel, on va en parler un petit peu après. Donc voilà, je tenais à préciser que les vidéos confession de Tonton, ça sera vraiment, on va dire, genre tous les 15 jours, ou à peu près tous les 15 jours à peu près, donc un samedi sur deux, ou histoire de pas vraiment vous habituer tous les jours au même type de vidéo, changer un petit peu, avoir un peu, ben, toujours rester dans, comme j'ai dit, dans les fondamentaux Call of Duty. Donc aujourd'hui j'ai remis du Black Ops 2 parce que j'ai beaucoup de live à vous mettre sur Advanced Warfare. J'ai encore rentré une fucking deuxième DNA en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me voir sur la chaîne Twitch. Il y a des soirs où ben, il va pas y avoir DNA, il y a des soirs où il va se passer des fucking carnages. C'est vraiment aléatoire le live et c'est pour ça que c'est ça qui est bon le live, c'est qu'au moment où vous êtes là, vous êtes présent. Je peux vous garantir qu'il y a eu une putain d'épique réaction de tonton dans la deuxième DNA déclenchée en live. Vous l'aurez prochainement sur ma chaîne. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, franchement, sur les réseaux sociaux à me suivre. Sur Twitter, ça commence à exploser. Sur mon Facebook, sur ma page privée Facebook, Tonton Mandito, vous êtes nombreux à être venus liker. On atteint bientôt les 1000 j'aime. Sur mon Facebook perso, il est plein à craquer. Il y en a un peu 4800 abonnés, je crois. Au niveau de YouTube, ça monte aussi. 34 200 abonnés, on a passé 34 000 tranquille, on a fait 200 abonnés en 4 jours là. Je sais pas ce qui se passe, les gars. C'est normal, moi je sais ce qui se passe. Il y a Tonton qui commence à faire le buzz. Non, je disais que c'est conneries. Il a pas fait le buzz encore, mais ça va arriver. Parce que samedi, les gars, vraiment, je demande tout à ma communauté, les gars. Je vais être un petit peu particulier aujourd'hui sur cette vidéo, mais samedi, c'est la vidéo, c'est le moment où jamais. C'est-à-dire, en gros, si vous avez envie que votre tonton Mandidos, ben, ils soient heureux, qu'ils soient contents, et honnêtement, qui, comment dire, que cette vidéo parle, tu vois, à la communauté, en fait, de Call of Duty sur YouTube. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous me connaissez, vous êtes mes abonnés, tu vois, vous êtes toujours derrière moi, c'est toujours là, voilà, le soutien et tout. Mais tonton, il n'est pas, comment te dire, il a envie, tu vois, d'avancer sur YouTube, il a envie d'avoir une progression, c'est normal, je ne fais pas des vidéos pour rien, tu vois. C'est mon plaisir, tu vois, de faire du live, de faire des vidéos, des top 10, des machins, des thèmes à sujet, faire des vidéos à sujet. Mais tonton, s'il fait ça, c'est pour avoir une récompense, tu vois, c'est pour avoir un public plus élargi, pour se faire une nouvelle audience. Et là, aujourd'hui, les gars, samedi, je peux vous garantir que ce que vous allez voir, ça va être en fait, je l'ai un petit peu expliqué en live hier sur Twitch, d'ailleurs, mes 60 viewers qu'il y avait hier soir, on peut écouter une dizaine, quinzaine de secondes la nouvelle chanson de Kebou officiel. Donc c'est un membre de ma team pour ceux qui ne savent pas, qui fait du rap. Et il a sorti un putain de rap, mais un truc de ouf. Et le titre de ce rap, c'est Advanced Punchline. Tu vois, en fait, c'est
toi qui es joueur de Call of Duty, toi qui aimes Call of Duty, tu ne peux pas ne pas aimer ce rap, c'est pas possible. Tu vois, moi, j'en parle, j'ai des frissons. Gros, franchement, là, il a fait un rap, tu vois, sur Advanced Warfare, punchline, tu vois, je vous en dis pas plus. Je vais vous faire écouter, je pense, ouais, je vais vous faire écouter, allez, une quinzaine de secondes, je vais me taire. Vas-y, je vais vous mettre comme ça au montage, je vous mets vite fait un petit peu. Voilà, je vais vous faire écouter, on part de là, tac. La vicieuse est débloquée, une de plus sur le compte, les gars. Iron va être content, j'ai déclenché la DNA. Je joue à Call of tranquille, verre de coca, smarty. Je crée ma classe, je roule mon joint et c'est parti pour des kills. Mon exo n'a plus de batterie. Comme... Je vous en mets pas plus, c'était juste pour vous faire un peu, tu vois, un peu, comment on dit, un petit peu patienter. Vraiment, il va falloir que vous m'aidiez. Aujourd'hui, j'appelle vraiment ma communauté parce que je vous explique pourquoi, comment ça va se passer. La chaîne, le clip, en fait, Kebou officiel, donc OCB Kebou, un membre de ma team, a fait la chanson. Elle a écrit les paroles, il est parti en studio, il a payé de ses propres argent pour enregistrer un son de qualité studio, d'accord. Il m'a envoyé le son, moi j'ai récupéré des cinématiques d'Advanced Warfare, j'ai fait le montage de l'intro, de la, enfin tout, j'ai fait le montage vidéo avec les clips et tout, c'est mes clips à moi, il y a un peu des cinématiques d'Advanced Warfare, un petit peu de tout. C'est une vidéo à moi qui m'a pris presque 5-6 heures de montage avec tous les rendus et tout. Pour moi, Kebou, ça lui a pris énormément de temps aussi pour écrire les paroles, pour ouais, faire le rendu d'une chanson agréable à écouter. Et en fait, je vous explique le sujet, le programme, surtout ce qui est très très important. C'est en fait, tout simplement les gars, c'est que en fait, cette vidéo, je vais l'envoyer à Code QG, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pourquoi? D'une, parce que si on arrive à se faire quand même une audience assez importante sur Code QG quand on passe. Je pense que ça peut être une chanson qui peut marquer l'année Advanced Warfare. Je suis vraiment confiant et je suis persuadé que ça peut le faire. Par exemple, les vidéos qui sont passées sur la Play Comedy Club, tu sais, faut pas rasquit, faut pas déconner. Tu vois, le mec, il a fait, ça lui a fait un buzz. C'est Malabac, je crois, à l'époque où il a fait cette vidéo, il avait 800 abonnés ou 1000 abonnés. Cette vidéo a fait un buzz énorme, tu vois. Et moi, je pense... Juste parce qu'il a fait une vidéo sur le Rage Kit, tu vois, en version un peu sympathique et tout. Là, c'est pas en version rigolote, mais c'est en version punchline sur Advanced Warfare, tu vois. C'est un peu les trucs qu'on en a marre, c'est un peu. Je vous en dis pas plus, faudra vraiment que je vous donne rendez-vous samedi, les gars, un truc de fou aussi. Oh, franchement, les gars, mes abonnés, vraiment. Je compte sur vous que samedi, vous faites péter cette putain de vidéo, vous la faites tourner à tous vos potes, tous ceux qui jouent à Call of Duty, tous ceux qui jouent à Call of Duty, même des mecs de 40 ans, 50 ans qui jouent à Call of Duty, même votre voisin, dans votre classe à l'école. Vous la faites tourner, vous balancez le lien sur les Facebook de tout le monde, tu dis regarde cette vidéo. Vraiment, cette vidéo pour moi, c'est. Pour moi et Kebou, pardon, enfin Kebou et moi, plutôt, c'est une vidéo de lancement. Kebou, il a envie de sortir, il fait du bon rap et franchement, c'est quelque chose qui peut le propulser. Le fait de passer sur Code QG et le fait de passer avec moi aussi, enfin les deux ensemble, quoi, tu vois, moi, même moi et lui, c'est moi autant. Je prendrai autant grâce à lui que lui grâce à moi. C'est vraiment une vidéo qu'on a travaillé à deux, lui ce côté chanson, moi côté montage et tout. On a vraiment discuté ensemble qu'est-ce qu'on fait comme montage, le concept, le site. Voilà, c'est vraiment bien entendu. Moi Kebou, je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il travaille pour sa team, pour son. Tu vois, il se force pas à écrire. Il a fait ça pour un peu pour moi aussi, tu vois, quand même, pour moi et pour ma team. Pour lui aussi, et ça fait plaisir, tu vois, le mec s'est crevé le cul à écrire un texte et tout, c'est... Enfin, voilà. Kebo officiel, salut, moi c'est Koé, je te fais un bisou, c'est mon pote. J'ai vraiment envie, les gars, qu'il y ait de la récompense, je sais pas comment vous dire. C'est bien beau de faire des vidéos sur YouTube, tu vois, de dire, ouais, tonton, lâche pas, continue, ça payera, ça paye pas. Pour vous dire, en gros, ça fait presque 3 ans, quand je dis ça paye pas, c'est pas au niveau argent, c'est au niveau... Des abonnés, tout, on n'arrive pas à sortir de ce putain de lot. Putain, c'est toujours le big four là de YouTube. Donc aujourd'hui, les gars, si vraiment vous voulez faire sortir Tonton Madidos et la team OCB et Kebou, c'est maintenant, c'est la vidéo qui va peser samedi. Je vous donne un putain de rendez-vous, les gars, et je vous demanderai aussi un petit truc particulier. Ce sera qu'en fait, quand je sortirai la vidéo sur ma chaîne, à tous ceux qui vont regarder la vidéo sur ma chaîne une fois. Après, si vous pouvez la regarder plusieurs fois pour qu'elle fasse un max de vues, j'aimerais que ce soit ma vidéo record en fait sur ma chaîne. Mes vidéos record, elle est à 49 000 vues. C'est le Rage Kit du 4ème mondial. J'aimerais vraiment que si vous pouvez faire un max de vues, c'est-à-dire pas forcément cliquer, mais la faire tourner, tu vois, une fois, deux fois, même si c'est tous les jours, trois fois, et que vous fassiez éventuellement pareil sur la chaîne à Kebou, tu vois, parce qu'il va passer aussi sur sa chaîne. Et lui, il n'est pas partenaire, il ne gagne pas d'argent ni rien, mais ça lui ferait vraiment énormément plaisir, tu vois, que cette vidéo soit la plus grosse. La vidéo la plus populaire de sa chaîne.
Et moi, pareil. Donc vraiment, on a deux souhaits. Et aussi, ça montrerait à Code QG qu'en envoyant la vidéo, elle a été beaucoup vue. Tu vois, c'est une vidéo qui marche, quoi. Il faut qu'elle fasse carnage, cette vidéo. Donc les gars, je suis désolé d'avoir parlé un petit peu de buzz, de vidéos de rap et tout. Mais vraiment, je compte sur ma putain de fucking communauté, les gars, pour être là samedi. Je vous donne rendez-vous samedi 13h. Ne ratez pas. Prenez du popcorn, des Smarties et du son à fond et vous allez kiffer. Voilà, sur ce les gars, bonne fin de semaine à tous. N'oubliez pas les deux vidéos précédentes les gars. Si vous avez raté, un max de likes pour Tonton. Et rendez-vous samedi pour un fucking rap Advanced Punchline. Ciao les gars.